C'est quoi le travail de sauveteur? Qui peut faire ça? Le travail de sauveteur, c'est, entre autres, d'intervenir pour prodiguer les premiers soins en cas d'urgence, d'assurer la surveillance des piscines et pataugeoires, d'aider, de développer des relations avec les nageurs et d'assurer le respect des consignes de sécurité. Être sauveteur, c'est aussi développer son esprit d'équipe et ses compétences. Il faut être un ou une leader de confiance avec un sens des responsabilités aiguisé pour que les citoyens passent un été mémorable autour de nos piscines. À partir de 15 ans, tu peux même commencer à travailler comme assistant surveillant de pataugeoires. Travailler avec la ville sur le bord des piscines, c'est aussi côtoyer des gens génial que j'aurais probablement jamais eu la chance de rencontrer si c'était pas de mon travail d'été. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé aller à la piscine et à la plage avec ma famille. Je m'en rappelle, je sortais jamais de l'eau. Puis aujourd'hui, en tant que sauveteuse, ben, je permets de pratiquer ma passion, je sauve du monde, puis je prends un peu de couleur. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est venir ici. J'ai tellement hâte parce que l'ambiance est magnifique, l'esprit d'équipe. On s'entraide, je peux compter sur les autres, sur tous les sauveteurs en fait, et on se voit même à l'extérieur du travail. C'est comme ma deuxième famille. Tu vas avoir la job d'été de rêve désirée de tous. C'est bien simple. Complète ta formation de la société de sauvetage dès maintenant pour être prêt pour l'été. Poste-le en ligne sur le site de la ville et passe les plus beaux étés de ta vie avec ta nouvelle famille. Les formations requises pour devenir sauveteur sont offertes dans ton arrondissement. Pour plus d'informations, renseigne-toi directement dans les piscines de ton quartier. Joins-toi à la belle équipe de sauveteurs de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles.